Il y a quelques jours, j'ai reçu une question très pertinente sur le groupe Facebook. J'ai ma Drosera rotundifolia qui est en train de faner. Est-ce normal car l'hiver arrive ou bien c'est un autre problème? Et juste avant de répondre à la question et de se retrouver dans la serre pour que je te donne 3 conseils qui vont te permettre à toi ainsi qu'à tes Drosera tempérées de passer l'hiver en toute sérénité, on va rapidement parler du cycle naturel des Drosera tempérées. Et comme tu peux le voir, Drosera binata actuellement qui est une Drosera australienne ainsi que Drosera filiformis, à cette époque-ci, ont le feuillage complètement sec. Est-ce problématique? Est-ce que la plante est en train de mourir? Que faut-il faire? Je vais y répondre dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est que toutes les Drosera tempérées qui résistent donc à des petites gelées et qu'il est possible de cultiver par chez nous, stoppent leur croissance à l'arrivée de l'automne et de l'hiver. C'est-à-dire que la plante va entrer en repos et pour certaines, elles vont former un hibernacle comme pour Drosera rotundifolia, Drosera filiformis, Drosera X hybrida, intermedia, etc. Et en fait, elles vont former une sorte de petit paquets cotonneux, notamment pour Drosera filiformis, et certaines vont simplement faire des petites feuilles qui vont se recroqueviller un peu sur elles-mêmes pour protéger la rosette de la plante avec l'arrivée du froid et de l'hiver. C'est un phénomène donc, comme je te le disais, que l'on va observer chez la totalité des Drosera tempérées, donc Drosera anglica, intermedia, rotundifolia, X obovata, X hybrida, va y avoir aussi, donc comme je le disais, filiformis, capillaris, et même binata qui est une Drosera australienne mais qu'il est tout à fait possible de cultiver par chez nous et qui résiste à de faibles gelées, comme Drosera capensis. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu cultives cette plante parce qu'il faut l'avouer, c'est une plante très facile à cultiver mais qui est également vraiment très sympa de par son feuillage, de par ses fleurs, etc. Si tu l'as installée en tourbière extérieure, il y a de fortes chances que celle-ci perde son feuillage l'hiver, mais ne t'inquiète pas, elle repartira de plus belle au printemps prochain. Il y a également la possibilité, si les gelées chez toi ne sont pas trop importantes, qu'elle garde quelques feuilles, mais elle en perdra très certainement la grande majorité. Drosera capensis est une subtropicale qui pousse spontanément en Afrique du Sud, mais c'est une plante qui s'est adaptée à nos climats européens. Et donc, si tu la cultives également dans un pot suffisamment volumineux, il y a de fortes chances qu'elle conserve également un peu son feuillage. Mais ne t'affole pas si tu vois que certaines feuilles commencent à mourir, commencent à sécher. Il te suffira simplement de les retirer. Et on se retrouve tout de suite dans la serre pour les 3 conseils. Et on se retrouve dans la serre avec le premier conseil qui est plus que simple à appliquer et qui évitera beaucoup de pourriture à ta plante. Ça va simplement être de se munir d'une paire de ciseaux et de tailler toutes les parties sèches, toutes les parties mortes de la plante, les feuilles simplement qui ont séché. Et c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est de ne pas tailler l'hibernacle de la plante, par exemple, qui ressort chez Drosera filiformis. Il y a quelques nouvelles petites pousses chez Drosera binata que tu as la possibilité de laisser pousser, mais tu peux également les couper parce que de toute façon toute l'énergie sera concentrée au niveau des racines de ta plante l'hiver, ce qui lui permettra par la suite de mieux repartir au printemps d'après. Donc tu vois, vraiment pas compliqué. Alors celle-ci était en extérieur, c'est pour ça que les feuilles sont complètement trempées, mais il y a juste à venir tirer ça un peu comme des cheveux finalement et de venir gentiment tailler pour nettoyer la plante. Et ça va vraiment être très important de faire ce nettoyage avant l'hiver parce que tout simplement les feuilles comme ça qui restent très humides, et ben ça peut potentiellement amener des maladies cryptogamiques, donc des pourritures, des champignons, etc. Donc inutile de laisser les feuilles tout simplement. En plus c'est vrai que c'est pas très très joli, donc autant simplement tirer un petit peu dessus comme ça, tout retirer. Et au moins comme ça, on évite quand même le développement de champignons, ce qui nous permettra quand même de mettre toutes les chances de notre côté et donc de conserver notre plante carnivore sur le long terme. Donc comme je te le disais, Drosera intermedia forme des hibernacles et donc tu vois, il y a une petite partie sèche. Donc ça, c'est les anciennes feuilles de l'été dernier. Donc il suffit simplement de les tailler délicatement. Alors celle-ci, je l'ai rempotée il n'y a pas très longtemps, donc je ne vais pas m'amuser à trop tirer sur les feuilles parce que la plante n'a pas encore bien eu le temps de raciner. Si tu n'as pas taillé les hampes florales, c'est aussi le moment de couper les fleurs et de récolter pourquoi pas les graines. On peut les semer directement du coup dans le pot. On peut également les conserver, donc les récolter, les mettre dans une petite enveloppe que l'on va ensuite conserver au frais tout l'automne et tout l'hiver pour ensuite pouvoir les ressortir au printemps d'après et donc
les semer. L'hiver, de toute façon, fera également son travail au niveau des graines, puisque les graines vont garder leur pouvoir germinatif avec l'hiver. C'est comme ça que ça se passe dans la nature. Et c'est finalement ça que l'on fait lorsqu'on place nos graines dans le frigo. Pour ma part, les Drosera intermédiaires restent en serre froide, donc pas d'inquiétude. Les graines comme ça vont avoir leur période de dormance et repartiront donc au printemps. Alors je te conseille vraiment de couper plutôt que de t'amuser à tirer sur les feuilles sèches, simplement parce que ça m'est déjà arrivé à s'amuser en fait à tirer, voilà ce qui arrive, c'est qu'en fait tu vas enlever une partie de la partie de l'hibernacle de la plante, donc la petite partie un peu cotonneuse qui permet simplement de protéger la plante du froid, donc vaut mieux tailler et laisser des petits bouts dépasser. C'est vrai que c'est pas très joli, mais c'est pas grave. D'abord penser à la santé de la plante avant de penser à sa beauté, sachant que c'est clairement pas la période où elle est la plus belle, mais par contre c'est vraiment très important de la respecter et de ne pas tirer sur les feuilles, surtout qu'en plus les plantes ne sont pas suffisamment racinées, donc inutile de tirer dessus et de les sortir de terre. Maintenant qu'on s'est occupé du nettoyage des Drosera tempérées, le second conseil va être de rempoter tes plantes. Alors, pour ce qui est de la période hivernale, je l'ai déjà dit et je vais le répéter parce que c'est vraiment quelque chose de très important. L'une des meilleures solutions pour pouvoir faire en sorte que ton Drosera et par exemple tout un tas d'autres plantes carnivores, Sarracenia, Dionea, etc. passent l'hiver en toute sérénité, va simplement être de rempoter ta plante carnivore que tu pourras ensuite placer en extérieur. C'est-à-dire que là, personnellement, moi je vais les laisser dans des petits pots comme ça pour souci de place, et de toute façon je les produis dans des petits pots. Mais si tu as que quelques plantes carnivores, notamment des Drosera tempérées, vraiment rempote-les et tu verras que ta plante, tu lui donneras suffisamment d'espace pour qu'elle se développe, et également que la terre fasse couverture thermique autour des racines et que donc ta plante soit davantage protégée du froid l'hiver. Pour ce qui est du choix de la taille de ton pot, n'aie pas peur du ridicule, prends un pot très volumineux dans lequel tu pourras très bien mettre 2 voire même 3, 4 voire même 5 plantes carnivores en fonction de la taille de celui-ci. Et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo que je te mets juste ici. T'as simplement à cliquer dessus et voir comment est-ce que je réalise un rempotage. Mais vraiment, l'automne est une période très adaptée pour pouvoir rempoter tes plantes carnivores étant donné qu'elles sont en train d'entrer en repos végétatif. C'est donc la meilleure période, réalise ton rempotage et tu m'en diras des nouvelles. Enfin, le troisième et dernier conseil est de respecter cette période de froid pour tes plantes carnivores. Si tu décides de conserver tes plantes carnivores et notamment tes Drosera tempérées dans des petits pots comme ça que tu laisses en intérieur, ça va dérégler complètement le cycle naturel de ta plante. Donc elle va continuer à faire des feuilles alors que on sera en plein hiver, ce qui est très mauvais pour elle. Donc très important de respecter son cycle naturel, quelle forme son hibernacle, quelle est cette période de repos et de froid l'hiver avant de pouvoir repartir de plus belle au printemps prochain. Si tu la laisses avec des températures trop élevées pour elle, comme je te le disais, ça va complètement la dérégler et au bout de seulement 2-3 ans, ta plante va commencer gentiment à dépérir et tu la verras mourir. En plus donc de bien respecter la période de froid pour tes Drosera tempérées, je te conseille de les placer dans une situation assez aérée, voire même très aérée. Donc en extérieur, ça conviendra parfaitement. Le souci quand on est sous une serre comme ça, c'est simplement que l'humidité est confinée à l'intérieur. Si tu n'aères pas suffisamment ta serre, si tu en as une par exemple, des pourritures et des maladies vont commencer à apparaître, ce qui est très mauvais, et l'hibernacle finalement au milieu de ta plante va commencer à pourrir et donc tu perdras ta plante une fois de plus. J'espère que ces trois petits conseils t'ont été utiles à toi ainsi qu'à tes Drosera tempérées pour pouvoir passer l'hiver en toute sérénité. Nettoie bien tes plantes, rempote-les dans des pots suffisamment volumineux et fais en sorte de respecter le cycle naturel de la plante tout en
faisant en sorte de bien aérer l'endroit où tu as décidé de les placer. Si tu souhaites recevoir davantage de conseils comme ça, si tu débutes et que tu te lances dans les plantes carnivores, j'ai créé et écrit il y a peu un petit guide pratique qui te permettra de maîtriser toutes les bases et de réussir à coup sûr la culture des plantes carnivores. Je te laisse aller voir dans le premier lien qui se situe en description de cette vidéo pour voir si celui-ci pourrait t'intéresser. En tout cas, tu risques d'y trouver tout un tas d'informations qui sont très importantes si tu te lance dans cet univers insolite, passionnant et dévorant. Dans la description, tu trouveras également un lien te permettant de rejoindre le groupe Facebook pour me poser tes questions et j'y répondrai peut-être comme ici dans une future vidéo YouTube. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.